Alors, bonjour, mon nom est Manon Etel, j'enseigne à l'école Sainte-Marguerite en cinquième année. Et moi, c'est Joanne Granger, j'enseigne en cinquième année à l'école Raymond. Le titre de notre atelier, c'est « Défraction ». Il a été conçu pour des élèves du troisième cycle. Les objectifs, c'est vraiment en lien avec la comparaison de fractions, de nombres à virgule et de pourcentages. Donc, les élèves, le but du jeu, c'est de mettre les trois en ordre, les trois dés en ordre. Donc, premièrement, il lance les dés. Le dé rouge doit aller sur le carré rouge, le dé vert sur le carré vert et le dé avec du orange sur le carré orange. Ensuite, il vérifie ici dans la liste des possibilités l'ordre qu'ils ont obtenu. Et il y a une lettre à côté. Il doit choisir dans les réponses l'ordre. Il doit placer les dés dans le bon ordre, là, au niveau ordonner les dés. Puis ensuite, il vient de voir ici par rapport à ce qu'il avait obtenu comme ordre. Par exemple, si c'était E. Là, ils regardent en les ordonnant de façon croissante où est la réponse et ils vont mettre le E ici avec un crayon effaçable. Et ils font comme ça, ainsi de suite. C'est un atelier qui peut être réutilisé. On a parlé d'ordre croissant, mais ça peut être autant l'ordre décroissant. Puis étant donné que les dés sont conçus avec des petites pochettes, il est toujours possible de changer les fractions puis de varier avec autre chose aussi. C'est un atelier qui est autocorrectif, bien sûr. Donc, on a conçu le corrigé que l'enfant peut aller chercher pour se corriger lui-même. Et voilà. Merci.